C'est bon, tu me prends pour ton TikTok? Ouais. Je suis infirmier en hématologie au sein de l'hôpital Jean Jaurès qui appartient au groupe SOS. Je me plais au sein de Jean Jaurès, les conditions de travail sont vraiment top. J'ai pu rencontrer des super collègues. C'est de prendre en charge les patients, de pouvoir développer cette relation avec eux et de pouvoir les aider dans une période de leur vie qui est compliquée, due à la maladie. Je me suis rendu compte que le métier d'infirmier était vraiment d'être au plus près du patient, de pouvoir les accompagner. Et ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est vraiment la relation que je peux avoir avec le patient. C'est des avantages au niveau des conditions de travail, du matériel qu'on a au sein du service, on en a beaucoup plus, et en termes d'effectifs, ce qui nous permet justement de prendre beaucoup plus de temps avec nos patients pour pouvoir les prendre en charge dans les meilleures conditions. Le fait de pouvoir communiquer avec l'ensemble des branches du groupe SOS, on n'est pas sectorisé sur une branche santé, on a aussi des moyens de communication avec les différentes branches, la branche senior, branche jeunesse. Le groupe SOS est un énorme groupe, mais au final, tout le monde est réuni, on travaille tous ensemble. Pour moi, le fait de travailler dans un hôpital associatif, ce qui est complètement différent d'un établissement à but lucratif, c'est qu'on n'est pas sur des conditions de travail où on est à la chaîne, où on a un énorme turnover de patients parce qu'il faut faire rentrer les patients, il faut reprendre des nouveaux. Là, vraiment, on a nos patients, on a vraiment le temps de prendre en charge nos patients et de prendre le temps avec eux. Les conditions de travail sont top, on sait accueillir les nouveaux arrivants et en plus de ça, on sait faire la fête.